Bonjour, docteur Schwartz. Vous êtes cancérologue, vous travaillez depuis très longtemps sur le sujet, en vous concentrant bien sûr sur des solutions innovantes, efficaces pour lutter contre les maladies de civilisation, dont l'idée est de revenir aux fondamentaux de la biologie. Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler des lois mathématiques qui expliquent le vieillissement et les maladies. Vous m'avez promis de ne pas utiliser de formules mathématiques ou chimiques. On est bien d'accord? Eh bien voilà, je vous laisse donc en compagnie du docteur Laurent Schwartz. Merci beaucoup. Bonne conférence à tous. Bonjour. Vous m'entendez? C'est bien réglé? Je ne m'en rends pas bien compte. Bon. Je vais essayer de vous parler du vieillissement, du cancer, du lien entre toutes ces maladies, sans faire de formules chimiques, sans faire de formules mathématiques. Je viens du monde de la cancérologie, comme vous savez, je suis radiothérapeute et j'ai eu la chance de me former en protonthérapie. Quand on irradie un malade qui a un cancer, on utilise des rayons X. Les rayons X traversent la tumeur et vont toucher les tissus qui sont juste en arrière de la tumeur et vont les léser. D'où l'idée d'avoir une balistique bien meilleure. Et c'était la protonthérapie. C'est là, pour la protonthérapie, je me suis formé aux États-Unis. J'ai contribué à ouvrir le centre de protonthérapie à Orsay, qui était l'autre centre. Il y en a un à Nice, il y en a un à Orsay. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas vous parler de la protonthérapie, ce n'est pas le sujet, mais que grâce à la protonthérapie, j'ai eu l'immense chance de me retrouver rapidement dans le monde de la physique. Et je suis à la fois médecin et aussi, j'adore les chiffres, j'adore les équations, j'adore les maths. Le problème de la protonthérapie, c'est que c'était mieux que les rayons X, mais qu'une installation de protonthérapie, c'était 250 millions d'euros, ou à peu près, donc c'était difficile à vulgariser. Donc il y avait deux installations en France, qui, pour celle d'Orsay, qui était la plus puissante, était un vieux synchrocyclotron qui avait été créé pour les Curie dans les années 50 pour craquer l'atome. Et on pouvait, en utilisant cette machine, faire bien mieux, mais 250 millions d'euros, un équipement pour un centre de protonthérapie neuf, c'est un peu cher. Et donc, par les hasards des cafétérias, des discussions, j'entends parler d'un dispositif qui peut faire bien mieux, bien moins cher. On est en 91, un russe, Konstantin Golovanievski, sort d'Union soviétique et il vient avec un petit dispositif, ou du moins les plans d'un petit dispositif, à même de faire de la protonthérapie. Et à la place des dizaines de milliers de tonnes du synchrocyclotron d'Orsay, il propose quelque chose qui tienne dans une boîte à chaussures. Donc une vraie révolution, au lieu d'accélérer comme ça, il accélérerait en ligne droite. On publie cet accélérateur dans Nature, mais je suis déjà à l'école polytechnique et on m'explique qu'il vaut mieux arrêter toute médicalisation de ce type d'accélérateur qui avait été développé par les soviétiques pour la guerre des étoiles et qu'il faut revenir à des applications plus militaires. Donc, aujourd'hui encore, les accélérateurs de protons sont extrêmement lourds, extrêmement chers. Tout ça pour vous dire que c'est comme ça que je suis rentré dans le monde de la physique et que j'ai commencé à pouvoir réfléchir avec des physiciens. J'adore les chiffres et un des premiers chiffres que j'ai vu a été la mortalité par cancer. Donc on est dans les années 97-98 et quand on analyse les courbes de mortalité par cancer, quand on compare le comparable, on voit que depuis 1960, la mortalité par cancer n'a pas changé. C'est-à-dire que quand on compare le comparable, aujourd'hui, on meurt autant de cancer du sein ou de la prostate par tranche d'âge qu'en 1960. C'est-à-dire qu'on ne voit pas l'impact des campagnes de dépistage, on ne voit pas l'impact des thérapies modernes. D'où une vraie question, comment peut-on faire mieux, comment peut-on avancer? Comment peut-on faire quand on est dans une situation bloquée? Comment peut-on faire quand on est... C'est où ça?
Excusez-moi. Donc, très rapidement, on a compris que la recherche contre le cancer butait sur une vraie problématique. La vraie problématique, c'était l'absence de résultats clairs et nets, parce que, et fondamentalement, les hypothèses scientifiques n'étaient pas solides. Donc, j'ai créé mon groupe de physiciens, de matheux, et on a essayé de repenser le cancer depuis le début. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour repenser une maladie dont, malgré les dizaines de milliards d'euros, les résultats n'étaient pas bons? On a rétréci, on s'est mis tous ensemble, on a fermé les portes et on a essayé de savoir ce qui, dans le cancer, était connu et de ce qui n'était pas connu. Un des premiers travaux que j'ai fait, ça a été d'essayer de voir. Je traitais à l'époque des mélanomes de l'œil, c'est-à-dire des cancers de la peau, et on nous disait, les cancers de la peau, les mélanomes de l'œil, c'est les UV. Et on s'est amusé à faire de la physique de base, regarder si les cancers étaient plus fréquents, ces mélanomes-là étaient plus fréquents dans les zones où il y avait les UV. Vous avez dû voir toutes ces campagnes pour mettre des UV, pour pas attraper le cancer, pour mettre des crèmes pour pas attraper le cancer. Est-ce que les mélanomes étaient liés aux ultraviolets ou non? Et ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait autant de mélanomes dans des zones où il n'y avait pas d'ultraviolets que dans les zones où il y avait des ultraviolets. Donc il y avait un vrai problème de compréhension de la maladie. Et le mélanome, qui est le cancer de la peau, celui qui tue, celui qui fait peur, n'a pas de corrélation entre les zones où il y a des UV et pas d'UV. Et je vous rappelle que pour ceux qui aiment les chevaux, le mélanome est le cancer du cheval, et que le mélanome du cheval, c'est au niveau de l'anus, qui est une zone qui n'est pas particulièrement exposée au soleil. En tout cas, dans les chevaux alsaciens, j'imagine que c'est la même chose par ici. Donc, premier point, la physique permettait de voir si une hypothèse qui était largement dans la grande presse, qui était le lien ultraviolet-mélanome, voir sa validité, et ça tenait pas la route. Donc, on a essayé de prendre les grosses hypothèses qu'on avait pour savoir si elles étaient bonnes ou pas bonnes, et surtout faire émerger autre chose. Et faire émerger autre chose, c'est pas simple. Et il a fallu essayer de comprendre ce qui était vrai dans le cancer, ce qu'on savait, ce qu'on ne savait pas. Et quand on revient à la clinique, le cancer, somme toute, c'est toujours la même chose. C'est une forme assez particulière, c'est une forme en étoile, stellaire pour faire plus matheux, c'est dur, et quand vous voulez voir si quelqu'un a un cancer, mettons de la peau, ben, si vous avez une image stellaire, si vous avez quelque chose de dur, par exemple le toucher rectal dans un cancer de la prostate, vous savez que vous avez un cancer. Donc ça, c'était clair. Et il y a, au fond, des invariants dans le cancer qui étaient toujours les mêmes. Donc le problème a été de lier tout ça. Tout d'abord, est-ce qu'on pouvait comprendre cette forme si particulière du cancer? C'est ce que cherche le radiologue quand il fait une mammographie. C'est ce que cherche le clinicien quand il regarde une tumeur. Et ce que les mathématiciens m'ont appris, c'est que le cancer, cette forme-là, s'expliquait par une seule chose, c'est les cellules normales. Elles sont comme les pavés des rues de Paris ou de Marseille, il y en a aussi, l'un à côté de l'autre. Et que pour faire une forme stellaire, il fallait une seule chose, c'est qu'une cellule jaillisse, change de plan et vous forme une barricade. Et que comme ça, vous faisiez un cancer. Donc, on avait un début de fil, on pouvait comprendre la forme. Quand on comprenait la forme, on pouvait après essayer de comprendre ce qui se passait. Et ce changement de forme, cette explication de mathématique de la forme du cancer, eh ben, j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Lebovitch, qui était un des médecins qui avait participé au début de l'histoire du sida, qui m'a dit, mais le cancer c'est simple, c'est, ça fermente. Alors moi, je n'avais jamais entendu parler de ça, on est dans les années 2000, c'est-à-dire il y a maintenant une vingtaine d'années, ou pratiquement, et les travaux de Warburg étaient quelque chose que je ne connaissais pas, c'est-à-dire j'en avais entendu parler comme tout bon étudiant, c'était dans mes livres, mais je n'avais pas compris la simplicité de ça. Et ce vers quoi on a débouché progressivement,
c'est que le cancer, c'est somme toute une maladie simple. Alors, ce qu'on nous vend actuellement, c'est le cancer, c'est une maladie du bien contre le mal. Alors, on est dans un monde extrêmement binaire, extrêmement simple. Il y a les bonnes cellules, comme il y a les bons flics, et il y a les mauvais, qui sont les voyous. Et nous vivons dans un monde extrêmement binaire, le bon contre le mal, la bonne cellule contre la mauvaise. Enfin, c'est un monde totalement imaginaire. C'est un monde de rêve que de croire que la société puisse se diviser en bon et en mauvais. C'est une modélisation du vivant qui est un rêve. C'est-à-dire que ça a sa part de réalité quand on parle des infections, quand vous avez quelque chose d'extrêmement différent. Une bactérie, elle va se faire manger par un lymphocyte. OK, mais le cancer, ce n'est pas le combat du bien et du mal. Ce n'est pas non plus une maladie qui est douée de super pouvoirs. C'est une simple fermentation. Et ça va nous amener à une première étape, là où je veux vous amener. C'est la cellule, elle peut faire deux choses uniquement. Soit elle brûle, c'est ce qu'on appelle le catabolisme. Quand elle brûle, elle fait du gaz carbonique et de l'eau. Ça, c'est une option. Et l'autre option, la cellule fermente, ça veut dire qu'elle ne brûle pas, elle fait de la masse. Quand une cellule fait de la masse, elle va grossir et ainsi de suite. Et faire de la masse, ça s'appelle fermenter, ça s'appelle la croissance du nouveau-né ou du nourrisson. Quand un enfant grandit, c'est qu'il fermente. Ça s'appelle, quand on veut faire plus scientifique, de l'anabolisme. Vous avez une liste de synonymes, mais votre cellule ne peut faire que deux choses. Soit elle brûle, soit elle synthétise. Et toute la biologie est écrite dans cet alphabet binaire. Le cancer, comme disait Otto Warburg, et il le dit en 1920, donc ça ne date pas d'hier, Otto Warburg dit « le cancer fermente ». La cellule cancéreuse n'est pas capable de brûler. Comme elle n'est pas capable de brûler, elle grossit. Et Otto Warburg, on est en 1920, prix Nobel, lui-même, il n'a rien inventé. Il a lu Louis Pasteur. Et Louis Pasteur, on est en 1860, donc ça remonte aussi à presque Mathusalem. Louis Pasteur, il avait regardé les levures de bière quand il travaillait à Lille pour les brasseurs. Et il avait remarqué que les levures de bière, quand il n'y avait pas d'oxygène, elles fermentaient, elles poussaient, et quand il y avait de l'oxygène, elles brûlaient. Donc toujours cette dualité, soit une cellule brûle, et quand elle brûle, elle ne fait pas de masse. Quand les gens font leur jogging ou équivalent, ils courent, ils font du gaz carbonique, de l'eau, mais ils ne font pas de masse. Soit la cellule ne brûle pas, et elle fait de la masse, et elle va grossir, et elle va se diviser en deux. Le cancer, c'est la cellule qui synthétise et qui est bloquée en synthèse. Et c'est ça que démontre Otto Warburg en 1920. Et tout ce que vous avez dans le cancer, tout, que ce soit l'activation du système immunitaire, la taille, la masse, la dureté, tout ça, ne peut se résumer qu'à l'effet Warburg. Donc, ce que j'essaye de vous dire, dans des termes peut-être non scientifiques, mais j'espère clairs, c'est que le cancer se résume à l'effet Warburg. La cellule n'arrive pas à brûler le sucre. Et l'ensemble de la symptomatologie n'est que ça. Et Otto Warburg dit en 1920, dans un de ses papiers, le cancer, c'est comme la peste, à plusieurs causes secondaires et plusieurs causes primaires. La peste, ça peut être dû à la saleté, au fait de vivre dans la misère, d'avoir des tics, et ainsi de suite. Mais ça n'a qu'une cause primaire, c'est le bacille qui va infecter. Et le cancer, c'est la même chose. Vous avez des dizaines de causes secondaires, les gènes, les mutations, le tabac, l'alcool, tout ça, c'est vrai, mais tout ça, à la fin, converge vers une seule cause primaire, une seule cause unique, c'est le cancer fermente. La cellule est bloquée en fermentation, elle ne peut pas brûler, donc elle grossit de façon sans aucun arrêt. Donc ça, c'est le tableau biochimique, le tableau
presque idéologique que l'on a, où vous voyez que l'on passe d'une maladie mythologique, qui est une forme de diable, le cancer fait peur et entre nous soit dit, il y a de quoi, à, au fond, une anomalie enzymatique. Et évidemment, d'un point de vue médiatique, d'un point de vue humain ou sociétal, tous ces gens qui meurent dans des conditions atroces, s'ils se rendaient compte qu'ils ne mouraient au fond que d'une anomalie de la respiration cellulaire, ça probablement bougerait beaucoup les sociétés, plutôt que de voir un combat contre... Il est mort dans un long combat, et ainsi de suite, comme on voit dans les eulogies funèbres. Donc, une fois qu'on a ce tableau-là, qui est du cancer, une fermentation parce que la mitochondrie ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est que, bon, tout ça, c'est de la science, c'est intéressant, c'est tout ce que vous voulez, mais ce que les gens veulent fondamentalement, c'est un traitement. Donc, on s'est demandé comment est-ce qu'on arrivait à lever cet obstacle, comment est-ce qu'on allait permettre à la cellule de pouvoir à nouveau respirer pour qu'elle ne fasse pas de masse, pour qu'elle puisse brûler et ne grossisse plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la littérature et on a vu une centaine de molécules, de médicaments ou de compléments alimentaires qui étaient susceptibles de lever cette fermentation cancéreuse et on allait regarder si ça allait marcher chez la souris. Alors, l'idée, évidemment, s'il y avait une molécule qui était efficace contre le cancer, ça se saurait, on l'aurait trouvé par hasard. Donc, on s'est dit, on a fait pari qu'il allait au moins en falloir deux. Et on a inoculé du cancer dans le flanc de la bête à entre 15 et 20 000 souris, c'est-à-dire un nombre énorme, 50 boulots, 5 personnes, pour voir si on pouvait bloquer avec une combinaison de molécules la croissance des cellules tumorales. Je vais vous passer toute la partie scientifique dure, parce que je pense que ce n'est pas forcément l'endroit pour en discuter, mais on a fini par avoir une combinaison de molécules qui bloquait la croissance de la tumeur, parce que simplement les cellules tumorales respiraient à nouveau, donc brûlaient, donc ne faisaient pas de masse. Donc tout ça, ça a été du boulot, ça a été fait par Mohamed Abolhassani. Et on se retrouve en 2008-2009 avec une combinaison de molécules extrêmement efficace, bien sûr chez la souris. Donc, je vais voir la présidente de l'Institut national du cancer, qui est à l'époque Madame Agnès Buzyn, qui est maintenant ministre de la Santé, pour lui dire on a une combinaison de molécules simple, bon marché, le coût du traitement était de l'ordre de 100 euros par mois, et ça marche dans tous les modèles chez les souris, chez nos souris, chez des souris que d'autres ont aussi inoculées. Les traitements sont sans effet secondaire, est-ce qu'on peut avoir un soutien pour faire des essais ? Et la réponse est une réponse institutionnelle, c'est pas non, c'est pas oui, c'est rien. Donc on n'a pas eu de réponse, et on y retournait, et puis c'était toujours une absence de réponse. J'ai vu beaucoup de monde, et je n'ai pas eu plus de réponses, ni à l'un ni à l'autre, jamais aucune opposition scientifique, jamais ça ne nous intéresse pas, ou des choses comme ça, mais une absence totale de réponse. Alors les malades sont venus d'abord par... les amis, les familles d'amis, ainsi de suite. Moi, j'ai suivi une ligne que je voulais d'honnêteté la plus stricte, c'est-à-dire que j'ai donné des conseils, mais je n'ai jamais fait payer mes conseils. Et quand j'ai vu que ça avait l'air de marcher, j'ai laissé tomber les brevets. On peut, dans la vie, il faut toujours être lisible. On est ou à droite ou à gauche, mais on ne peut pas faire de l'argent sur le dos des pauvres bougres. C'est totalement insupportable. Donc, j'ai tenu ma ligne et progressivement, on a vu venir des malades qui prenaient des chimiothérapies à petite dose, de l'acide lipoïque hydroxycitrate et du régime cétogène et qui, au fond, survivaient. Et c'était des cancers du pancréas, des glioblastomes, enfin ce qu'on appelle en français des vacheries. Et ils survivaient, au lieu de survivre quelques mois, mais ils survivaient des années. Ce genre de traitement, évidemment, n'était limité qu'aux malades en fin de circuit, ceux pour lesquels on n'avait rien à proposer. Et là, c'est passé pour moi un deuxième pari.
Le premier pari était le cancer est une maladie simple et on peut y arriver avec une combinaison de molécules existantes. Et le deuxième, c'est il faut renverser la table. Alors, on peut la renverser de différentes façons. Pour moi, il manquait un paramètre numéro un en cancérologie, c'est les malades. Et vous n'avez pas d'association de vraies associations de malades, et vous n'avez pas de... Les malades n'ont pas leur voix au chapitre. Alors, vous avez la Ligue contre le cancer, mais qui est toujours, dont le président est toujours un professeur de cancérologie jeune retraité, et qui finance les résultats qu'elle attend d'avoir, c'est-à-dire pas vraiment les nouveautés. Et donc, on a créé un site et les malades ont commencé à se parler. Et évidemment, nous, on avait fait des publications, on avait avancé, mais les malades ont amené autre chose. Et ce autre chose, ça a commencé par être le dioxyde de chlore. Alors, le dioxyde de chlore est une source de radicaux libres, qui est une extrême molécule d'une extraordinaire simplicité. C'est 3 atomes. On ne fait pas beaucoup plus petit en chimie. C'est-à-dire que ça passe partout. Et le dioxyde de chlore, c'est un Norbert Fishman qui malheureusement depuis est mort, qui avait un cancer du pancréas et qui avait entendu parler, c'est toujours Radio Tam Tam, de quelqu'un qui s'était traité au dioxyde de chlore, qui avait rajouté de l'acide lipoïque et des oxycitrates, et dont le cancer du pancréas avait été stabilisé pendant 2 ans, sans aucune chimio, sans rien. Donc, vous entendez ça, vous êtes médecin, vous avez des bonnes surprises dans la vie en cancérologie, mais c'est au début de l'histoire, sur les cancers du pancréas, vous n'avez jamais de bonnes surprises. Donc, je l'entends, je le fais venir, toujours les mêmes choses, je veux dire, c'est est-ce que j'ai affaire à quelqu'un de sérieux, est-ce qu'il n'est pas sérieux, est-ce que tout ça est vrai, n'est pas vrai. Et il nous expose son cas et, pour parler en français courant, il fait bonne impression et donc un malade autre entend ce qu'il raconte et puis ainsi de suite, c'est parti. Et d'autres malades voient leur tumeur se stabiliser avec le dioxyde de chlore, l'acide lipoïque, l'hydroxycitrate et bien sûr le régime cétogène. Bon. Le problème du dioxyde de chlore, c'est... Premier, c'est que ce n'est pas un traitement facile, il faut le fabriquer. Ça a une demi-vie de l'ordre de 30-35 minutes, donc il faut le prendre toutes les 2 heures. Et surtout, le mélange n'est pas simple, donc de temps en temps, c'est un peu abrasif. Tout ça pour dire que ce n'est pas simple. Donc un autre malade vient me voir en me disant, plutôt que de prendre du dioxyde de chlore, moi je prends du bleu de méthylène. Donc pour moi, un rôle quelque peu... d'écoute et aussi de screening un petit peu de tout ça. Et là, actuellement, il y a plusieurs malades qui sont sous acide lipoïque hydroxycitrate, donc le traitement métabolique, bien sûr le régime cétogène et le bleu de méthylène, et qui vont plutôt pas mal dans des patients qui ont des vraies vacheries. Donc on a l'impression qu'on a tapé juste. Ce qui reste à comprendre, c'est quelle est la meilleure combinaison, quel est le rôle de la chimiothérapie, qui à mon avis est nécessaire en même temps, mais encore ça peut peut-être à un moment ou à un autre arriver à se discuter, et aussi pour les scientifiques qu'on est, c'est comment ça marche. Parce qu'au fond, on donne des radicaux libres. Le bleu de méthylène, le dioxyde de chlore sont des donneurs de radicaux libres. Et se pose une question derrière ça, c'est comment marche la chimio. La chimio est un traitement du cancer qui a une forme d'efficacité, plus dans les cancers de l'enfant que dans les cancers d'adultes, mais enfin, ça reste quelque chose d'extrêmement efficace. Et au fond, la chimiothérapie est extrêmement abrasive. C'est pour ça qu'on les met dans des chambres implantables, dans des porte-4, et que ça donne des radicaux libres. Donc, ce que l'on est en train de se dire, c'est que les radicaux libres relancent la mitochondrie, alors que ce soit les radicaux libres d'origine chimiothérapeutique, que ce soit les radicaux libres origine du chlore ou du bleu de méthylène, et que tout ça va relancer la mitochondrie et permettre à la cellule de respirer, c'est-à-dire d'arrêter de fermenter. Et donc, vous avez un traitement qui est statique. Vous n'allez pas guérir les cancers, mais vous allez empêcher les gens de mourir trop vite. Donc, ça, c'est la façon dont on pense ce que l'on a actuellement. Je voudrais maintenant passer
à une autre partie du topo que j'ai jamais donnée avant, qui est pour moi, j'espère que ça, que je vais être compréhensible, c'est quelque chose dont j'ai toujours un peu peur. Quand on voit les malades qui sont sous régime cétogène, sous acide lipoïque, hydroxycitrate et possiblement les autres molécules, ils sont bien. Évidemment, le régime cétogène n'est pas forcément que facile. Si vous le faites relativement raisonnablement, c'est-à-dire sans perdre de poids, les malades vous racontent tous qu'ils se sentent bien, qu'ils ont la pêche. Et ça, c'est encore plus net quand vous rajoutez les gens, vous leur ajoutez du bleu de méthylène et ainsi de suite. Et les gens se sentent bien et ils vous racontent quelque chose que nous n'attendions pas. Ils ont la forme, ils refont du tennis, ils se sentent rajeunir. Certains rapportent que les cheveux repoussent et des choses comme ça. D'où la vraie question qui est derrière, est-ce que en relançant la mitochondrie, on n'a pas touché autre chose que le simple cancer? Et vous avez plein de maladies où la mitochondrie ne fonctionne pas. Et ça m'amène maintenant à ce que je vais essayer de vous dire, c'est faire un tableau de Mendeleïev des maladies. Les maladies, au fond, aujourd'hui, sont classées par spécialité d'organes. J'ai mal à l'œil, je vais voir l'ophtalmo. J'ai mal aux articulations, je vais voir le rhumato, et ainsi de suite. Donc, c'est une classification totalement médicale, basée sur l'organe. Or, au fond, on sait, par exemple, que l'alcoolique se fait d'abord sermonner par le médecin généraliste. Il va après voir le gastro-entéro qui, pour traiter sa cirrhose, et qui le sermonnera aussi avec le succès que l'on sait aussi. Et si tout ceci dure assez, il finira en cancéro, traité pour son cancer du foie. Et on connaît le succès de ce genre de traitement. Mais au fond, c'est une même et longue et unique maladie. Alors, si vous retournez à la physique, qui est le monde dans lequel moi je suis à l'aise, vous avez quatre forces dans la nature. Alors je vous épargne les forces nucléaires, c'est très intéressant, il y en a deux pour ceux qui travaillent au CERN et qui veulent craquer l'atome, mais ce n'est pas le sujet. Il vous reste deux autres forces. À notre niveau, à nous, ce sont les forces de pression, de mouvement, ça revient en même, et les forces électromagnétiques. Donc il y a les maladies par diminution de pression. Alors c'est l'hypotension, des choses comme ça. C'est le fait de passer trop de temps en autour de la Terre dans une navette spatiale, et ces gens-là vieillissent beaucoup plus vite. Mais il y en a relativement peu de maladies en hypopression. Les maladies par hyperpression. Alors là, vous allez commencer à rentrer dans une énumération à la Prévert. C'est en clair toutes les inflammations. Et dans toutes les inflammations, ça s'appelle une polyarthrite, une maladie de Crohn, une rectocolite, une sclérose en plaques, vous avez une augmentation de pression ou une migraine. J'ai une femme qui est migraineuse, ces sensations de pression dans la tête. Et dans toutes ces maladies, vous avez une augmentation de pression. Et quand on met des microcapteurs dans les zones inflammées, vous avez une augmentation de pression qui fait aussi que ça se voit. La pression étant liée à l'épanchement de protéines. Ça, c'est les maladies par augmentation de pression. Après, vous avez les maladies par augmentation du rendement électromagnétique. Un exemple clair, c'est l'hyperthyroïdie. La personne bouge dans tous les sens, elle a les diarrhées, elle est logoréique, elle se fatigue et elle fatigue ses voisins. Et vous avez le pendant de ça qui est l'accès maniaque. Et je me rappelle quand j'étais jeune étudiant en médecine, il y a malheureusement maintenant bien longtemps à Strasbourg, je vois arriver quelqu'un qui avait offert une dizaine de voitures à chacune de ses maîtresses. Il ne travaillait pas à Wall Street, il travaillait à la voirie de la ville de Strasbourg. Et mon interne ou chef de clinique, je ne me rappelle plus très bien, voulait le traiter par psychothérapie. C'est ce jour-là que j'ai décidé que j'allais devenir cancérologue.
plutôt que psychiatre. Donc ça, c'est, ça tourne, c'est à fond les manettes. Vous avez les maladies par diminution de rendement. Et les maladies par diminution de rendement, c'est fondamentalement le cancer. C'est l'Alzheimer, c'est le Parkinson, c'est la vieillesse. Et dans tous ces cas-là, le rendement énergétique chute. Et il chute extrêmement vite. Alors, avant de rentrer dans le détail de ces maladies par diminution de rendement électromagnétique, je voudrais partager avec vous un fait qui, moi, me semble essentiel. Quand aujourd'hui vous regardez les médicaments, vous voyez que c'est les mêmes médicaments qui ont l'air de travailler ou de traiter des maladies extraordinairement différentes. Vous prenez l'acide lipoïque sur lequel moi j'ai travaillé dans le cancer, parce que ça relançait la mitochondrie. Il est aujourd'hui démontré qu'il est efficace dans la maladie d'Alzheimer. Donc, rien à voir. Et là, vous avez des essais randomisés de l'acide lipoïque que moi j'utilise pour le cancer dans la maladie d'Alzheimer. Quand vous regardez le bleu de méthylène, il est, je l'utilise pour le cancer, il est utilisé pour toutes les parasitoses. Et il y a aussi des essais positifs dans la maladie d'Alzheimer, dans la phobie. Il se trouve qu'il y a quelqu'un dans ma famille qui a une anorexie mentale qui est traitée actuellement sous bleu de méthylène. Ça a complètement changé son mode de vie. Tout se passe comme si des maladies qui n'avaient a priori cliniquement rien à voir les unes avec les autres. Il n'y a pas de point clinique entre un Alzheimer, un Parkinson, un cancer, puissent être traitées par des traitements fondamentalement très proches les uns des autres. Parce que dans toutes ces maladies, la mitochondrie ne fonctionne pas et quand vous relancez la mitochondrie, ben ça va redémarrer. D'où l'idée fondamentale aujourd'hui, est-ce que l'on a affaire au fond à des groupes de maladies extrêmement similaires, toutes les maladies par augmentation de pression ayant le même traitement, toutes les maladies par diminution de rendement ayant potentiellement le même traitement, est-ce qu'on va arriver à un moment ou un autre à une médecine qui n'a rien à voir avec la médecine qu'on connaît, où on va mettre des capteurs pour regarder la pression, des capteurs pour regarder les champs électromagnétiques, et on va commencer à voir comment avoir un traitement le plus efficace possible. Ce que j'aimerais vous faire pointer du doigt, c'est que nous, scientifiques, on est à un point de rupture. Les concepts commencent à être très clairs. On a des listes de médicaments. On voit dans mon domaine à moi, qui est le cancer, une vraie révolution en marche, avec des traitements qui sont inattendus comme étant efficaces, ou en tout cas qui ont l'air d'être efficaces. Tout ceci, il faut forcément une forme de prudence. Et on se demande, au fond, si toutes les maladies du vieillissement ne sont pas du même acabit. Est-ce que l'on n'a pas affaire à un ensemble global de maladies qui ne se ressemblent pas cliniquement? Je veux dire, il n'y a pas photo finish, un cancer, ce n'est pas un Alzheimer. Mais au fond, biochimiquement, ça se ressemble énormément. Ce pourquoi on a besoin de la société civile. Moi, je suis à l'aise dans tout ce qui est équation. Dans tout ce qui est matheux, on se réunit, on rigole, on travaille, on a nos équations, on teste, ça on sait faire. Par contre, ce qui est beaucoup plus difficile aujourd'hui, c'est d'organiser un retour des malades. Pour le cancer, qui est donc le domaine sur lequel moi j'ai le plus d'expérience, on a démarré le système. On a été parmi les premiers à traiter par régime cétogène et surtout l'acide lipoïque hydroxycitrate, où on voyait clairement quelque chose. Après, les malades ont ramené à droite, à gauche, des informations. Ça a été mis sur notre site qui s'appelle Guérir du cancer. Beaucoup de malades ne veulent pas trop qu'on
mettent leur témoignage online, ce que je comprends parce qu'il y a une forme de pudeur et de... Je veux dire, c'est pas facile de parler de sa mort, c'est tout le moindre des choses. Mais au fond, le système est en bascule. Et quand moi j'étais jeune étudiant à Strasbourg, il y a quelques années, les livres étaient cantonnés aux bibliothèques. Et d'abord, il fallait savoir que les livres existaient, savoir où était le chapitre et ainsi de suite. Et progressivement, on a vu, nous, médecins, une capacité à s'ouvrir à des livres par les bibliothèques électroniques et tout ça. Et on se retrouve aujourd'hui avec des patients qui sont de plus en plus connectés et qui, au fond, savent énormément de choses. Ils ne savent pas les mêmes choses que nous. Ils ne hiérarchisent pas forcément la même chose que les médecins. Ils n'ont pas forcément non plus à rendre de compte au même genre de personnes. Mais au fond, nous avons affaire à une société en mouvement. Et ce que j'aimerais arriver à faire, moi, c'est, pour la partie traitement, c'est une mise en commun des expériences des gens à droite, à gauche. Quand vous avez affaire à un cancer, mettons du pancréas ou un glioblastome, enfin une vacherie quelconque, certains malades ramènent des expériences. C'est relativement facile devant des maladies épouvantables comme ça que de confirmer si c'est vrai ou pas par d'autres personnes. Ces informations sont d'une immense valeur pour la société en général. C'est infiniment plus rapide que les essais normés qui ont aussi leur place pour les institutions de la République. Mais au fond, c'est aux malades de bouger. Je voudrais encore mettre pour quelques minutes un dernier point qui pour moi est fondamental. Donc, nous sommes dans un jeu de poupées russes. La première question était fondamentalement, qu'est-ce que le cancer ? À cette question-là, on peut répondre, c'est l'effet Warburg, c'est le fait que le cancer ne brûle pas. Okay. Derrière ça, il y avait une question suivante, c'était quel est le traitement ? On tâtonne, mais je pense qu'il n'est pas long le temps avant lequel le cancer sera une maladie curable. C'est une question de pas très longtemps. Derrière ça, il y a, est-ce que l'on peut classer les autres maladies de la même façon? Est-ce que le même genre de raisonnement peut s'appliquer à l'Alzheimer, au Parkinson? Enfin, vous pouvez tous les nommer, ils sont tous là. Dernière question qui, pour moi, est une question fondamentale. Alors, je sais que ça n'éveille pas l'enthousiasme dans les foules, mais c'est comment on fonctionne. Parce qu'une fois que vous avez commencé à démailloter tout ce système, il est clair que la vie n'a pas changé depuis 3 milliards d'années, ou 2 milliards 8, enfin ça dépend qui vous lisez. C'est toujours le même pourcentage de sodium, de potassium, les mêmes membranes, un ADN qui n'est pas très différent d'une cellule à une autre. Donc vous avez des invariants. Si vous avez des invariants et que vous vivez dans un monde de matheux, c'est que vous avez une équation. Cette équation, on pense qu'on l'a et on la mettra publique pour mars-avril. Je vous remercie. Le docteur Laurent Schwartz, merci beaucoup.